Il s'est passé quelque chose ici, je sais pas quoi. Enfin, ce côté-là de la roulotte, de toute façon, il est vraiment magané. Donc, on va changer un pneu. C'est la première fois que je change un pneu sur cette roulotte-là. On a un pneu flambant neuf, j'espère, qui est un pneu de secours. Je sais pas si vous êtes au courant, changer un pneu avec une roulotte, c'est une petite opération. Et je pensais justement que ce serait l'occasion de vous montrer un petit accessoire que j'ai. Qui peut-être va nous rendre la vie un tout petit peu plus facile, un tout petit peu plus. Vous apprendrez pas dans le journal que j'ai été écrasé par ma roulotte. Alors là, il faut que je trouve ma clé et mes embouts. C'est un jeu de Tetris constant. Mais il y a un jeu que vous pouvez faire, pas un jeu, un tour de magie. Il faut être du bon côté des dieux du nomadisme quand vous faites ça. Et je vais vous montrer. Ça fait 1, 2, 3. Merci de m'apporter ce dont j'ai besoin. Je vous l'avais dit que ça marchait. Mais il faut vraiment être du bon côté des dieux du nomadisme. Il faut être gentil. J'adore que le petit Léo, il pense qu'on part en voyage encore. Le petit Léo, tu peux sortir dehors, hein. Come on. Come on. On part pas, là. Il a peur que je parte sans lui. Ça risque pas d'arriver. Alright, alors... Allez, mets ta face dans la bouche de vache. N'oubliez jamais de mettre en dessous de votre jack. Ça, cette plaque, elle vient avec le kit de Veva. Comme ça, ça va. Attention, c'est course NASCAR. Go, go, go! Non, justement, c'est pas une course. Donc, on va finalement tirer ça. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'inspecter nos tambours qui tournent vraiment comme une clé à musique. Alors, vous voulez voir de plus près ? Voyons de plus près ce qui s'est passé.
Oh my god. Oh my god, regardez ça. Alors je sais pas dans quoi je suis rentré. J'ai roulé. Oh, j'espère que j'ai pas roulé. Parce que là moi j'ai juste un. J'en ai juste un de pneu de rechange. Le pneu a bombé ici. Et je soupçonne que ça va arriver aussi au nouveau. Mais c'est un problème pour le futur Florent. Le truc, c'est que regardez ce qui est arrivé ici. Il y a quelque chose, je ne sais pas depuis quand c'était, qui est rentré et qui s'est mis dans... C'est comme une sorte d'agrafe. C'est une boule de métal. Mais le pneu est encore presque bon. Incroyable, j'ai jamais vu un pneu en si mauvais état. On voit vraiment l'usure du pneu en fait. Ça en dit long sur la façon dont cette roulotte est bancale. Mais elle roule, elle m'amène là où je lui demande. Donc pour l'instant, ce n'est pas mon problème. Attention, je vais faire ce que les gens ici font. C'est le moment où les gens qui n'ont pas d'humour, ils vont pas comprendre. Bye bye, pneu. Maintenant on passe à notre pneu. Je vous dis, si je filmais pas, ça prendrait vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais juste filmer parce que c'était l'occasion de vous montrer notre nouveau pneu qui est bien, bien gentil. On va nettoyer un peu, voilà, ça suffira. Oh shoot! Eh mince! Il va falloir pas qu'on achète un pneu, mais deux pneus. Regardez cette craque qui est arrivée avec le temps. Oh. Il va falloir qu'on aille en ville de toute façon. Mais l'avantage c'est que je peux laisser la roulotte ici. Je vais quand même l'installer. Juste histoire de... Oh mince alors. Ça, c'est un peu embêtant. Heureusement qu'il y a le beau paysage autour pour faire relativiser. Parce que c'est vraiment pas le truc que je voulais. Mais c'est pas grave. On va le mettre quand même. Ensuite, vous allez mettre vos petits boulons. Oups, il est tombé. Alors, là... Un truc qui est important quand vous changez un pneu, c'est d'avoir une clé, un dynamomètre, je sais pas, un torque wrench, en anglais c'est bien plus facile. Et pour les trailers, en général on dit c'est entre 90 et 110 pieds par livre. Je ne sais pas si les gens en français doivent se demander qu'est-ce que c'est. Mais oui, on parle de pieds par livre. On va faire redescendre notre petit Jack. Allez Jack, tu peux le faire Jack. Voilà. Et maintenant, on va recadrer tout ça. Nice. Et voilà. Donc, maintenant vous savez changer un pneu de roulotte. C'est un cool projet quand vous avez tous les outils et les bons pneus. On va voir combien de temps ce pneu va tenir. Mais c'est pas très sécuritaire, je vous déconseillerais. Moi j'ai pas vraiment en ce moment les sous pour acheter deux nouveaux pneus. Donc on va voir combien de temps ça tient. Mais le principe sera le même quand on aura à changer encore. J'espère juste que le pneu va tenir et va pas trop exploser jusqu'à là-bas, au prochain déplacement que je fais. On verra. Cela dit, d'où l'intérêt d'avoir une roulotte qui a deux essieux. Comme ça, techniquement, si un essieu vous lâche, ou un pneu vous lâche plutôt, eh bien, vous devriez être correct.
Donc, est-ce que ces petits trucs sont utiles? Je dirais que oui, pour vous faciliter la tâche. Bien sûr, vous pouvez juste prendre une planche de bois et essayer de voir à quel degré, quel angle vous pouvez vous mettre à niveau. Mais avec ça, vous voyez, il y a de 0 à, je dirais, un angle d'à peu près 15 degrés que vous pouvez jouer avec cet angle-là, et avec un petit niveau et juste en avançant doucement dessus, vous allez arriver à mettre votre véhicule à niveau. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Sûrement pas. Mais surtout pour les gens qui ont des véhicules lourds ou des roulottes ou des gens qui font pas mal de tout-terrain. Parce que dans du tout-terrain, malheureusement, vous devez, quand vous faites du camping, du boondocking sauvage, du camping sauvage, c'est assez utile parce que vous pouvez épouser un peu le terrain que vous avez. Ça vient avec un petit tapis anti-poussière, ils appellent ça, une petite step pour rentrer dans votre véhicule. Je pense que je vais l'utiliser d'ailleurs. Et ça vient également avec des blocs, à la fois pour arranger votre véhicule, mais aussi pour utiliser ça comme des cales, ce qui est très utile. Et il y a également des planches antidérapantes que vous pouvez poser sous vos cales, afin que si le sol est un peu bouge ou je ne sais quoi, en fait c'est toujours utile d'avoir des trucs antidérapants comme ça. J'ai mis les liens dans la description, ça vient avec un sac aussi, très pratique, et un peu le volumineux, mais moi j'ajoute dans mon coffre Tetris. Tout ça pour vous montrer que à tout problème vous allez trouver une solution, et d'où l'idée de se bâtir un peu sa base de données de connaissances et aussi son coffre à outils, d'avoir des outils qui permettent de faire les choses assez vite, et je crois que c'est assez important d'avoir des outils de base quand vous êtes nomade, surtout quand vous faites du camping sauvage. Après, si vous faites de la van life urbaine, je dirais que vous pouvez rester très minimaliste, mais c'est là où parfois le minimalisme entre un peu en contact avec la réalité d'être préparatiste, comme je dis. Et moi, on va se faire un petit repas de midi, je sais même pas quelle heure il est, et apprécier ce soleil. C'est une des journées les plus chaudes du printemps jusqu'à maintenant. Il fait un petit peut-être 12, 13, 14 degrés. Et regardez ces nuages, regardez ce magnifique plan. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.